Et au matin du 9 janvier 1514, Anne de Bretagne s'éteint à Blois. À ses funérailles, toute la noblesse de France et de Bretagne s'agenouille respectueusement devant sa dépouille. Le 26 novembre 1532, le duché de Bretagne est définitivement rattaché au royaume de France. Selon ses contemporains, la noble Hermine fut la plus sage, la plus libérale et courageuse princesse que le royaume de France ait connue. J'entends yeah.